the MG Car Club in Montreal, and this is my friend Marcel, and he's going to tell us in French about his beat. Oui, en français. Oui, en français, s'il vous plaît. Oui. It's all yours. OK. On commence. Oui. Alors, la voiture est l'année 77. Et elle a été vendue aux États-Unis, achetée au Québec, deux propriétaires différents. Je l'ai achetée en 2012. La voiture avait 100 000 miles. Et le moteur avait été changé, remplacé, refait, reconditionné. Mais pas trop bien reconditionné, je pense. Alors, et évidemment, le modèle 77, à l'origine, a des rubber bumper en français. Alors, les rubber bumper n'étaient pas beaux et de toute façon, c'est pas beau. Alors, j'ai enlevé celui d'en avant, remplacé par un spoiler comme ça, qui n'est pas tout à fait au bon endroit, selon les puristes, mais présentement, il est là. Et en arrière, j'ai trouvé un chrome bumper pour le remplacer. Les choses que j'ai pu faire sur la voiture qui sont évidentes, j'ai remplacé les roues originales par des roues d'acier de 15 pouces. Évidemment, avec des pneus, ça c'est des Continental de 185-65. Et puis, le reste des changements est plutôt à l'intérieur du capot moteur. On peut ouvrir le capot? OK. So, because of... excusez-moi. À cause de l'emplacement des supports du rubber bumper, je ne pouvais pas installer une calandre ordinaire, régulière de MG. Donc, j'ai dû imaginer une calandre. Présentement, c'est ça. Ça fait 2-3 fois que ça change de modèle. J'ai aussi, vu qu'on est en avant de la voiture, j'ai fait installer un radiateur à l'huile qui n'existait pas sur la voiture originale. J'ai fait installer un ventilateur électrique, que plusieurs propriétaires de MG font la même chose. J'ai changé la crémaillère, parce que j'avais un bon chimie dans le volant. Donc, changer la crémaillère, qui vient d'Argentine, je pense. J'ai enlevé les... évidemment, vu que c'est un 77, c'est un modèle avec un seul carburateur. Là, j'ai fait remplacer par deux carburateurs. Ça ressemble plus à une vraie MG avec deux carburateurs. ça, c'est une installation que j'ai faite moi-même pour remplacer les filtres à air. Et certains membres du club, pas très gênés, se sont moqués de moi à cause des wires meshes que j'ai installés ici. Ce sont des... je ne sais pas comment on appelle ça en français, là. En tout cas, c'est un instrument de cuisine. Mais ça fait la job, comme on dit. J'ai enlevé la chaufferette, le corps de la chaufferette, au fond, pour le nettoyer. Et j'ai décidé de ne pas le réinstaller. Parce que les quelques fois où on se sert d'une chaufferette en MGB, ça ne vaut pas la peine là, de travailler à tout restaurer la chaufferette. Alors, il n'y a plus de chaufferette dans la voiture. J'ai fait en français, on dit un bypass. J'ai fait un bypass pour le circuit de l'eau. Pour remplacer ce que j'ai enlevé. J'avais installé aussi des phares supplémentaires en avant que j'ai enlevé actuellement, mais le filage est là au complet. Outre ça, pas fait grand-chose de nouveau ici. Évidemment, les bolettes miroirs... qui sont un peu plus sport aussi. Alors ça, j'ai remplacé ça. Remplacé le toit, qui est à peu près ce qu'il y a de plus beau sur la voiture.
Et, ah oui, là on voit ici le, un arceau de sécurité, roll bar, que j'ai fait installer assez tôt, et un single one, seulement pour le conducteur, ce qui est assez rare. La plupart des arceaux font les deux sièges, celui-là ça fait un peu plus... Course, un peu plus de racing. On voit de ce côté-là le côté décal qui fait un petit peu le petit côté racing aussi dans la voiture. Le reste est les changements que j'ai fait dans le tableau de bord, mais on peut difficilement les voir avec le toit comme ça. Changer évidemment l'échappement. Changer le système d'échappement. Originalement, il y avait un échappement qui avait été réparé aux États-Unis. C'était deux résonateurs, pas de silencieux, deux résonateurs troches ou quelque chose comme ça. Alors, le son était affreux. Là, j'ai un système d'échappement un peu plus gros en diamètre, mais standard dans le MG. Évidemment, un petit tip en arrière, Stébro. Toutes ces pièces-là m'ont été vendues par notre ami Joseph, qui est extraordinaire pour réparer les MG. Je pense qu'on a... J'ai enlevé un des trois essuie-glaces pour faire un peu plus vieux MG. Deux essuie-glaces, c'est en masse quand on en a besoin. C'est bon, tête? Merci à peu près beaucoup, ça. Marcel. Stay tuned pour épisode 3.